starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause de Cœur à Cœur. Je suis ravie de vous retrouver pour partager, comme chaque jour, un moment convivial, un moment de partage avec mes invités. Et ce soir, je n'ai pas un invité, mais deux. Deux fois plus de partage et je vous assure une magnifique soirée. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir poser vos questions en direct. Je suis sûre que nos invités se feront un plaisir de pouvoir y répondre. Avant de les recevoir, je vais vous passer une petite vidéo et nous les accueillerons tout de suite derrière. Alors, comme vous l'aurez compris, ce soir, je reçois deux personnes avec qui nous allons parler de lecture rapide, de mind mapping. Alors, je vous demande du coup de pouvoir accueillir Karine Morel. Coucou Karine. Salut Malou. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Bon, super. Et puis, nous allons aussi accueillir Nicolas Lisiac qui arrive. Voilà, salut Nicolas. Salut Malo, bonsoir, ou plutôt bonjour Karine. Oui, merci. Eh oui, gros décalage, alors est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous dire un peu, nous dire où vous êtes situés. Et puis, on va commencer par cette première question que je pose à tous mes interviewés, c'est quelle est votre émotion du moment? Karine, je te laisse... Alors, moi, je suis en Nouvelle-Calédonie, donc il est 6h du matin. J'ai failli pas venir parce qu'on sort d'un cyclone et que j'étais pas sûre d'avoir la connexion. Mais tout va bien. L'émotion du moment, tu parles à une Alexis Timic, alors l'émotion du moment. Je peux vous lire les votes sur vos visages, mais je peux pas trop te donner la mienne. Bon, on va dire que je suis neutre et que ça va. Bon, super, super. Et toi, Nicolas? Moi, je suis basé en Pologne. Ce soir, je suis en Normandie où il fait beau plusieurs fois par jour. La Normandie, elle est connue pour ça. Et puis, moi, je dirais 9 sur 10 au niveau mental. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, super. Pas mal. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous recevoir tous les deux pour cette interview. On a une petite heure ensemble où on va parler de lecture rapide, de mind mapping et puis de vos actualités à chacun. Alors j'aimerais commencer par toi, Karine. Honneur aux femmes, hein, Nicolas. est-ce que tu peux
te présenter, te dire, voilà, nous dire et dire à nos auditeurs qui tu es et en quelques mots. Et quelle est ton approche, en tout cas, de la lecture rapide? Alors, qui je suis? Je suis une maman, je suis une épouse, je suis une neurocoach. je suis plein de choses, en fait. On va dire que pour ce soir, je suis particulièrement spécialisée dans la lecture rapide. Voilà, que te dire de plus? Après, j'ai monté la première équipe de Nouvelle-Calédonie l'année dernière en championnat du monde de lecture rapide. Et puis, la première équipe enfant, voilà. Chouette, merci beaucoup. Merci de ce partage. Alors, je vais poser du coup la même question à Nicolas. Du coup, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs? Bien sûr. Je suis polonais et je suis passionné par par le cerveau et par son efficacité depuis 2010, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui m'anime, c'est justement la performance naturelle qui va dans le sens où comment en fait fonctionne le cerveau par rapport à l'apprentissage efficace, l'apprentissage naturel, l'apprentissage qui va avec tout le spectre d'intelligence que nous avons, et notamment par le biais de lecture rapide. Et dans ce cadre, justement, si on parle côté professionnel et patience, c'est les deux choses qui m'animent aujourd'hui. Et dans ce cadre-là aussi, j'ai commencé à créer les championnats de lecture rapide depuis 2017. Et l'aventure continue. J'ai pu même avoir une médaille aux championnats mondiaux en 2017 en Chine. Et aujourd'hui, on est dans l'organisation, dans les championnats mondiaux, dans l'organisation des études scientifiques, parce qu'il manque beaucoup d'études scientifiques à ce sujet encore. C'est toujours quelque chose où il y a des gens qui se disent, non, la lecture rapide, ah ouais, c'est le truc en diagonale, c'est le truc où tu lis vite, mais tu comprends rien. Et il y a plein de préjugés, plein de pensées limitantes par rapport à ce sujet. Alors que non, ça devrait être à l'école, ça l'est pas. C'est une technique d'entraînement du cerveau qui est formidable. Et voilà, ce sont des choses qui m'animent. Ok, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, du coup, j'aimerais savoir, tous les deux, comment vous êtes arrivés à venir à cette lecture rapide et puis comment ça se passe, finalement. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Qui commence? Karine, honneur aux femmes, honneur aux femmes. Non, mais si Malou, Karine, vous venez en Pologne, vous allez voir. Si vous voulez passer des portes, passer quelque part, tous les hommes vous ouvrent les portes, vous laissent passer. Donc, on est aux femmes. Moi, je suis pour l'égalité, en fait. Ah, mais oui, mais moi, je sais pas. Mais voilà, c'est... Oui, on est d'accord. C'est une belle égalité, en fait. C'est une belle égalité parce que parfois, les portes sont très lourdes. C'est vrai. On peut les ouvrir à deux. C'est pas évident de les ouvrir, en fait. C'est ça. On peut les ouvrir à deux. Alors, quand je suis venue là, pour en revenir à ta question, moi, j'ai un garçon donc de 10 ans qui est au potentiel et qui traversait, on va dire, des travers à l'école. Donc, j'ai été obligée de le prendre en école à la maison, parce qu'il n'était pas pris en considération et c'était compliqué pour lui. Et puis, arrivé en école à la maison, tu as le syndrome de l'imposteur qui te tombe dessus. Tu te demandes comment toi, tu peux te permettre de faire école à la maison.
Et surtout de ne pas refaire ce que l'école t'a appris. Parce que finalement, moi, je suis allée à l'école. Donc là, il y avait tout à apprendre. Du coup, j'ai commencé à déjà apprendre une école en CPC, en cours par correspondance. Et puis, cette école est très ouverte et te permet de faire plein de choses. Et donc, j'ai commencé à chercher de mon côté pour que lui soit le mieux appréhendé, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le terme, que ça soit le mieux adapté à lui. Et en fait, en regardant des vidéos de Fabien Olicard, je tombais sur, il expliquait une technique pour apprendre plus vite et à éviter le bachotage. Et moi, le bachotage, c'était vraiment ce qui me, ce qui me gênait dans l'apprentissage à l'école et que je ne voulais pas lui transmettre. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet et puis j'ai découvert Nicolas. Donc, au départ, je me suis formée pour pouvoir former mon fils et pour que pour lui, ça soit facile. Du coup, on s'est formés tous les deux. On a fait les leçons ensemble. C'était vraiment très bien. C'est vraiment adapté à tout le monde, la lecture rapide. Vraiment, c'est extraordinaire pour ça. Après, on s'est un peu. On a un peu glissé vers le mind mapping. Donc là, pour l'apprentissage, c'est extraordinaire. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'aime bien les défis. Donc, un jour, j'ai téléphoné à Nicolas, je lui ai dit, il n'y a personne qui fait ça en Nouvelle-Calédonie. Il m'a dit non. Donc, je me suis formée pour être coach neurosportive. De là, je me suis dit, mais il n'y a pas de championnat en Nouvelle-Calédonie. Tout ça sur un très, très court temps, hein, Nicolas pourra te le dire. C'est-à-dire qu'au mois de février, je me demandais si je ne montais pas une équipe pour le mois de mai. Et mi-février, j'avais fait de la pub et j'avais trouvé pour monter mes équipes, parce que finalement, j'ai monté plusieurs équipes. Et puis au mois de mai, on a fait un podium. Donc voilà. Voilà mon histoire avec la lecture rapide. Oui, donc ce que tu veux dire, du coup, c'est que finalement, tu as ouvert des portes en Nouvelle-Calédonie pour la lecture rapide, pour le mind mapping. C'est chouette, ça. C'est chouette. Je crois que j'ai ouvert en Nouvelle-Calédonie, mais j'ai ouvert un peu de partout parce que tu sais, je côtoie. Moi, je travaille avec les francophones et avec les italophones. Donc, du coup, j'ai un peu ouvert ailleurs. Et là, on a monté une formation avec un ami qui est en fait. J'ai fait ma formation d'apprendre à apprendre, donc avec plein de choses que Nicolas m'avait apprises, plein de choses que j'ai apprises sur d'autres formations. J'ai essayé de regrouper plein de choses. Ben, on a fait ensemble les neurosciences. On est coach spécialisé. J'ai rajouté des choses là-dedans. Voilà, j'ai fait plusieurs choses différentes. Et cette formation-là, en fait, que j'ai proposée l'année dernière, bon, cette année, elle est plus évoluée, il y a plus de choses à mes élèves. En fait, cette année, on la propose en italien, en espagnol et en anglais, avec un traducteur. Et donc, c'est pour les. Comment te dire? C'est pour les professeurs de collège et de lycée qui veulent donner un défi à leurs élèves, les professeurs de langue. Ce qui fait qu'ils ont les vidéos en français, certaines dans la langue, en anglais, etc., en italien, en espagnol. Ils ont les PDF tout traduits. Ils ont, en fait, tout est traduit. Et le jour de la semaine où on a normalement notre rendez-vous, ben, ils parlent dans la langue. Ce qui fait que s'ils ne comprennent pas, Andrea peut leur traduire en français, puisqu'ils parlent très bien le français. Et du coup, cette formation, elle est proposée en quatre langues. Donc j'espère que ça va fonctionner, puisque en fait, on la lance là et l'ouverture se fait lundi. Donc je te dirai après si ce qu'on a fait a fonctionné. En tout cas, j'espère que ça va attirer des classes parce que c'est un double challenge en fait. Et ça peut permettre aux professeurs d'anglais, d'espagnol, d'italien de mener leur classe à un niveau supérieur avec un défi. Et voilà, je pense que c'est un beau challenge pour ces classes-là. Après, t'es une femme de défi, donc rien ne te fait peur. Moi, je sais que voilà, Non, à moi, rien ne me fait peur. Après, c'est est-ce que les autres vont pas avoir peur et me suivre? ouais. La question est là. Non.
Il n'y a pas de raison parce que je pense que tu sais accompagner et c'est ça qui fait aussi ta force, Karine. C'est l'accompagnement que tu mets en place et comment tu le fais, ta pédagogie. En tout cas, moi, je sais que je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que voilà, Bon, après c'est assez. Enfin, Nicolas, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un concept qui est un peu novateur parce que déjà faire la lecture rapide, on a des gens qui ont des barrières. Et là, je mets la lecture rapide sur un cours de langue. Bon, voilà. Mais tout est défi. J'adore, j'adore. Tout est Ouais, défi. c'est chouette ça. C'est chouette. Et toi alors, Nicolas, dis-moi, enfin, dis-nous comment t'es arrivé à la lecture rapide, finalement, qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es lancé dans ce dans voilà dans ce challenge? Oui. J'étais à une conférence à Varsovie en 2009, je crois, quelque chose comme ça. Et un des speakers a parlé de lecture rapide. Et moi, si tu veux, j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de lecture rapide avant. Et pourtant, j'ai suivi, tu vois, j'ai suivi un cursus universitaire, j'ai été boursier aussi de l'ambassade de France en Pologne, j'ai étudié en France, j'ai un master 2 en Pologne, j'ai un master 2 en France en management et aussi dans l'aménagement de l'espace. Et pendant mes études, j'ai toujours ramé avec la lecture. J'avais pas de problème à l'apprentissage, mais ça me prenait beaucoup de temps, surtout la lecture. J'étais un lecteur très lent, je lisais quand je me suis, pour la première fois, je me suis testé, j'étais à 150 mots minutes, ce qui est très lent parce qu'un livre, en fait, de 250 pages, t'en as pour 6 heures. Et bien sûr, c'est impossible de lire un livre en une traite. Et là, j'ai entendu parler lecture rapide. Et là, en plus, le gars, il disait, en fait, il y avait une possibilité de devenir coach en lecture rapide. Et donc, je me suis dit, au lieu de suivre une formation normale, je vais suivre une formation de coach. Comme ça, en fait, je vais être beaucoup plus engagé dans le processus. Et en plus, je vais rentabiliser mon investissement parce que je vais donner des cours derrière. C'était déjà ma façon de penser à l'époque. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'ai quitté mon job et j'ai commencé, en fait, à... J'étais formateur dans une boîte d'assurance. Et donc, j'ai tout quitté, en fait. Et j'ai lancé cette activité. Et surtout, en fait, moi, je cherchais aussi à l'époque de faire quelque chose entre la Pologne et la France, parce qu'à l'époque, je travaillais uniquement en polonais, ça commençait, la langue française, ça commençait à me manquer. Je voyais que je perdais mon français, même si que ma femme, elle est française. Donc, je parlais bien évidemment tous les jours français, parce qu'on parle français entre nous. Mais là, je me suis dit, voilà, je me lance. Et voilà, c'était un grand défi en fait. Donc c'est comme ça que j'ai démarré avec la lecture rapide. Et en effet, la formation, donc le défi que je me suis lancé aussitôt en un mois et demi, j'ai pu accélérer de 150 minutes à jusqu'à 1800 minutes. Et 800 minutes, c'était quelque chose de complètement en fait tranquille pour le cerveau. Et c'est là où j'ai vu l'incroyable potentiel inexploité des cerveaux, en fait. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, peut-être on va en parler, mais j'ai donné le démarrage pour moi. C'était ça, en fait. Et c'était lié aussi, si tu veux, au développement personnel. C'était lié, en fait, au dev perso. Dans le sens où j'ai commencé en fait à lire beaucoup de livres. Et le livre qui était un déclencheur pour moi, c'était le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, dans lequel il a parlé de Napoléon Hill, parce que Kiyosaki il cite Napoléon Hill avec son livre Réfléchissez à devenir riche. Et après, il cite Jim Rohn et plein d'autres. Et du coup, quand tu tombes là-dedans, en fait, bam, tu as envie de lire, et puis d'un coup, tu trouves une pile de livres à lire, et c'est de la folie parce que
tu te dis, mais c'est quand que je vais pouvoir lire tout ça et en plus assimiler et peut-être et en plus mettre en place des choses. Voilà. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Donc aujourd'hui, pour reprendre ce que tu viens d'expliquer, tu es à 1500 mots minute. Là, je ne sais pas parce que je ne me teste pas. Je ne sais pas. C'est pareil pour moi. Ce n'est pas ça l'objectif, en fait. C'est quand même énorme, en fait. C'est quand tu démarres, c'est bien de voir, pouvoir voir ta progression. C'est intéressant, voir où tu en es. Mais après, moi, je ne vois pas d'intérêt aujourd'hui parce que j'ai une méthode de travail. Quand j'ai besoin d'apprendre, ben je me concentre. Je vais lire ce que j'ai besoin à lire. Et puis voilà, je suis pas, tu vois, dans le truc. Même quand je suis parti au championnat, en fait, et j'ai gagné une médaille, j'étais pas dans l'objectif. Moi, j'allais en fait faire autre chose. J'allais interviewer Tony Buzyn parce qu'on allait le faire venir pour le championnat en 2018 à Paris. Et moi, je suis allé en Chine l'interviewer. Et en fait, il s'est avéré que sur place, il y avait un créneau. Et il y a Michel Wozniak, justement, qui était là dans les arbitres. Et il dit, tiens, tu vas participer aussi. Je dis, bon, d'accord. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais puisque je connaissais déjà, j'étais entraîné et puis j'enseignais ça, bah, ça m'a... Voilà. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'entraînent pendant 2-3 ans pour gagner des médailles. C'est de la folie. Là, c'est de la folie. Positive, hein, la folie positive. Parce que si tu veux, qu'est-ce que le cerveau est capable de faire, c'est ça qui est formidable. Et c'est des petites capsules par jour. C'est booster son cerveau au quotidien avec des bonnes choses et avec toujours des bonnes choses. Ça fait partie, pour moi, des outils de développement personnel, de développement, en fait, cérébral et de la productivité naturelle du cerveau. Parce que c'est quelque chose qui se fait sans vraiment te stresser. C'est ça, c'est les entraînements. Ils sont finalement d'un quart d'heure, 20 minutes par jour, des fois 10 minutes, ça dépend. Et tu fais des choses extraordinaires. Les gens, en quelques séances, ils ont doublé leur vitesse de lecture. Des fois, en une séance, ils ont plus que doublé leur vitesse de lecture. Ils n'en reviennent pas. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas... Je lis plus vite et donc je comprends rien. C'est je lis plus vite et je comprends mieux. Et comme je comprends mieux, je suis fascinée. Comme je suis fascinée, je lis encore plus vite. Et c'est vrai qu'on est dans une spirale qui est ascendante. Et là, on fait vraiment de belles choses. Et moi, comme Nicolas, je compte plus. Par contre, quel soulagement quand tu fais des formations, ben, comme celle qu'on a fait ensemble, Malou. C'est des grosses formations, c'est des choses qui durent sur des mois. Tu lis deux fois, tu as compris. Et comme tu as compris, tu peux le retransmettre. Et c'est plus facile à apprendre. Parce que si tu peux retransmettre, c'est que tu as appris. Donc, ça facilite la vie pour les gens qui sont qui ont besoin. Et on lit tous les jours parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais moi, attends, moi, je ne lis pas. » Excuse-moi, mais tu vas au magasin du coin, tu es obligé de lire. Tu vas n'importe où tu vas, tu es obligé de lire. À partir du moment où tu... Si on met bout à bout tout ce que tu lis dans la journée, même si tu ne fais pas le même travail que moi, même si tu n'es pas derrière ton écran, même si tu n'es pas ingénieur, tu es obligé de lire. Tu as toujours quelque chose à lire. Tu vois, là, je suis allée dernièrement à la banque, ils m'ont donné un papier. Les gens, ils ne lisent pas le papier. Moi, je me suis posée, j'ai lu, elle me dit « Vous allez tout lire ». Je vais tout lire. Bien sûr que je vais tout lire. Je vais signer au bout. Non, mais tu vois, eh ben, tu lis. Et sauf que tu ne mets pas 100 ans à tout lire. Tu lis. Et ensuite, tu signes. Je suis sûre qu'elle a dû se dire que je n'avais pas lu. Mais moi, j'ai lu. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est un outil, en fait. Tu as ça dans ta valise et c'est un outil. Et tu t'en sers tous les jours. Et c'est un outil extraordinaire. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Ok. Oui. Alors, moi, je suis quand même... Alors, j'ai quand même une grande question qui me vient, là. Je suis novice. Je lis, hein. Je lis, mais... Alors, je pense que je lis très, très lentement. Il faut être... voilà. Quelqu'un qui est novice et qui aimerait apprendre la lecture rapide, qu'est-ce que vous lui dites? La première chose, Malou. Est-ce que tu utilises ton doigt? Non.
Voilà, déjà, rien que ça. Tu utilises ton doigt, tu gagnes en temps et en efficacité. Alors, c'est bête, mais ce que je dis à mes élèves et ce que dit Nicolas, et je sais qu'il ne va pas me contrarier parce que c'est lui qui me l'a appris. Donc là, je vais pas, je suis pas hors sentier battu. Là, je suis vraiment. Quand tu prends un guide visuel, ça peut être n'importe quoi. Regarde, moi j'avais toujours un à côté de moi, tu vois. J'avais fait ça l'année dernière avec les enfants. Donc c'est rien de plus qu'une baguette chinoise, tu vois. Puis on l'a décorée. On s'est amusé. Bon, ça commence à s'effacer. Tu vois que je l'utilise. Hein. Bon, tu peux faire de belles choses, tu peux avoir de beaux guides visuels, après tu peux prendre ton doigt, tu peux prendre un stylo, peu importe. On dit, quand on arrive en CE1, CE2, les maîtresses, les parents, tout le monde, et c'est une aberration, maintenant tu es grand, tu n'as plus besoin de ton doigt. Mais quelle absurdité! Essaye, Malo, de prendre un guide visuel, lis comme ça, et tu vas voir la rapidité. En fait, ton œil, il a tendance à retourner en arrière, revenir en avant, descendre, remonter. Ton cerveau, il se dit, attends, j'ai oublié un truc, hop, on remonte. Tu prends ton guide visuel, tu suis ton guide visuel. Ton cerveau, toutes ces questions, il ne se les pose plus déjà. Et tes yeux, ils suivent le bout. Et tu te prends un rythme. Et le fait de prendre un rythme, tu gagnes déjà du temps. Et le fait de gagner du temps, tu gagnes déjà en compréhension. Et comme tu comprends mieux, tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Ok. Après, Nicolas peut-être peut t'expliquer mieux que ça. Moi, je t'ai expliqué la chose comme je Mais non, l'expliquerais aux mais c'est enfants ça, que j'ai. c'est keep it simple. C'est vraiment la chose la plus simple. Après, on arrive sur les questions d'habitude, parce que il y a quand même une partie de personnes qui sont tellement habituées à leur façon habituelle de lire. Que le guide visuel au départ il va pouvoir les stopper un petit peu. Ça va pas être vraiment Calmer et confortable. recadrer. Après, c'est moi j'ai envie de dire le guide visuel c'est comme si c'était en fait une direction assistée dans une voiture. Ça veut dire que tes yeux en fait ils font des saccades. Ça veut dire que si tu vas lire, les yeux vont saccader. C'est pas un mouvement fluide. Si tu observes les yeux de quelqu'un qui est en train de lire son guide visuel, tu vas voir que les yeux font des petites saccades. Et en fait, dès que tu arrives avec le guide visuel, en fait, les saccades sont beaucoup moins Atténuer. fréquentes. Et c'est parce que tu peux, et à la fois avec ton guide visuel, tu peux donner du sens et de la vitesse avec ta main. Et j'ai une question, Malou. Oui. À toi et à toutes les personnes qui nous regardent ou écoutent, est-ce que ça t'arrive de partir dans les pensées quand tu es en train de lire et perdre le fil? Oui. Et Très c'est souvent. normal. Et c'est normal, c'est souvent, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. L'autre jour, j'étais dans une classe de 11 ans, les enfants d'11 ans, mais les profs aussi, et la prof, elle disait, ah oui, ça m'arrive de partir dans les pensées. Il n'y a pas d'âge. Tu sais pourquoi? Parce que le cerveau, il va à toute vitesse et en fait, il va s'ennuyer parce que c'est pas assez rapide. Et à partir du moment où tu es avec ton guide visuel, déjà, tu vas pouvoir te rendre compte que tu es en train de partir avec tes pensées, donc tu t'arrêtes. C'est plus vite. Et deuxièmement, si tu accélères et tu t'entraînes, j'ai envie de dire 15 minutes par jour avec voilà, justement le guide visuel, avec un métronome et tu fais sortir de vraiment de zone de confort, élargir cette zone de confort de lecture, ben le cerveau, avec sa plasticité cérébrale, ben il va s'adapter, mais il a besoin du temps, il a besoin des nuits de sommeil, il a besoin de tout ça. Donc là, on est vraiment sur une pratique d'entraînement du cerveau et pas une méthode magique. C'est un effort qu'il faut fournir, c'est un effort qui est vraiment fatigant pour le cerveau. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus vite au-delà de 15 minutes. Tu sais, quelqu'un qui est entraîné à la lecture rapide et qui comprend, par exemple, à 600 ou 800 mots minutes, ben, il va lire 60 pages en 15-20 minutes. Si tu fais Wow. tous les jours 60 pages en 15-20 minutes, c'est déjà. Tu multiplies ça par nombre de jours dans l'année. Tu peux imaginer combien de choses tu peux lire en lisant 20 minutes par jour, en fait.
Alors moi, je vous avoue que ce qui vient là tout de suite, c'est de me dire comment on peut arriver à lire rapidement et comprendre, en fait. Mais justement, c'est ça, tu sais, c'est ce qui t'expliquait Nicolas. Le cerveau, ben, tu le sais, on a encore le cerveau reptilien, il n'est pas parti celui-là. Il a toujours envie d'aller vite et il a plusieurs réactions. C'est-à-dire, soit je me tétanise, soit je pars, soit. Et lui, il réagit comme ça. Pour en revenir au guide visuel, et après, je vais t'expliquer la suite, l'exemple que j'explique à mes élèves. C'est que si on revient à la préhistoire, notre cerveau reptilien, il nous servait à ne pas mourir. Il était là pour nous sauver. Et donc, quelque chose qui passait au coin de l'œil, on le voyait tout de suite. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe toujours maintenant? Parce qu'à l'époque, c'était soit, waouh, c'est du gibier, je vais manger, soit, waouh, c'est plus gros que moi, et là, on va me manger. Donc, il fallait être réactif. Et notre cerveau, à notre époque, il a gardé ça. Donc, tu es en train de lire, ça va pas assez vite, le cerveau, il s'ennuie, il y a quelque chose qui passe à côté, ton regard va partir à côté. Tes pensées, elles vont partir à côté. D'accord? Parce qu'il faut que ça aille vite, parce que c'est comme ça, c'est le cerveau qui est fait comme ça. Quand tu commences à accélérer, le cerveau, il se concentre. À partir du moment où il se concentre, il n'a plus besoin de regarder ailleurs. Et quelque part, tu déconnectes ton cerveau reptilien. Enfin, tu le déconnectes, tu ne le déconnectes pas, on est bien d'accord, mais tu le mets un peu en retrait. Et donc, tu comprends mieux et tu lis plus vite. Et parce que tu lis plus vite, tu comprends mieux. Et parce que tu comprends mieux, ton cerveau a envie de lire plus vite. Et ça, si tu veux, ça devient une roue. Tu es en train de mettre de l'eau à ton moulin. Et en fait, tu actives ton cerveau de la manière dont il doit travailler, dont il est fait pour travailler. C'est juste ça, en fait, la différence. C'est juste ce besoin d'aller vite. Le cerveau, il a besoin d'aller vite. Il a besoin d'aller vite pour comprendre. D'accord, ok. Bon, bah, ce sera mon premier exercice de demain. Voilà, essayer de voir comment ça se passe justement avec un guide et comment voilà comment mon cerveau fonctionne, comment il se met en apprentissage. Faut bien commencer par quelque Il faut chose. commencer par quelque chose. Après, tu as d'autres petites techniques, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et ça, c'est vraiment le guide visuel. C'est vraiment ce qui va te cadrer en fait au niveau du regard et te permettre d'accélérer. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, moi, ce que je dis aussi à mes élèves dans le premier cours, c'est tu connais la posture. Et la posture, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, si tu t'avachis dans ton lit, tu ne vas pas pouvoir faire un entraînement de lecture rapide. On est bien d'accord. Parce que là, si tu t'allonges, oui, c'est cool pour t'endormir, pour relire un peu les cours pour que ça rentre avant de dormir. Oui, il y a plein de choses comme ça qui sont pas mal. Pour la lecture, on va dire, tranquille, pour te faire plaisir. Maintenant, pour l'entraînement, tu t'allonges pas dans le lit. Parce que ton cerveau, il est allongé. Pour lui, il est en mode relax. Or, quand tu fais un entraînement, on est d'accord qu'on n'est pas dans le mode relax. Donc déjà, tu t'assois correctement. Tu te mets légèrement en avant parce que quand tu es en avant, tu es en action. Donc, le fait de te mettre légèrement en avant, ton cerveau, lui, ça y est, tac, tu l'as mis en position, il est prêt. Donc, tu as déjà cette posture-là qui est faite. Et ensuite, tu inclines légèrement ton livre. Et le fait d'incliner ton livre, tu sais qu'on n'a que 10% en fait au niveau de la vue Au niveau de qui la vue, est sur lequel on voit. Le reste, on imagine. D'accord? Donc, ce que tu fais, c'est que tu agrandis tes lettres. Et le fait d'agrandir tes lettres et d'avoir là des lettres qui sont plus grosses, toi, tu es en position d'attaque, tu as ton guide visuel et tu es dans tes 10% visuels. C'est bon. Déjà là, tu vas voir tout ce que tu gagnes. Et ce sont juste des petites techniques de posture. Eh bien, tu vas déjà gagner pas mal de temps.
Ok, mais voilà, je pense qu'effectivement, je vais commencer par ça, puis je reviendrai vers toi pour te dire ce qu'il en a été, comment je me suis sentie, et puis voilà, comment ça a cheminé en tout cas. Je te remercie de ces explications. Merci beaucoup, Karine. De rien. Du coup, une question me vient dans la foulée de tout ça. On a vu tout à l'heure dans la présentation les championnats. Donc, je voudrais du coup, Nicolas, que tu puisses nous partager, si tu en es d'accord. Je sais qu'il y a un championnat qui arrive bien, le championnat qui arrive bientôt, dans quelques mois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. L'idée des championnats, elle est pas nouvelle. C'est une idée, j'ai envie de dire, qui a une trentaine d'années, qui a été initiée par Tony Buzan et sa société, Tony Buzan International. Et en fait, ils sont énormément présents dans les championnats de la mémorisation. Et aujourd'hui, c'est les Chinois qui organisent ces championnats-là pour Tony Buzan International. Ils ont fait aussi plusieurs fois les championnats mind mapping lecture rapide. Et depuis 2 ans, ils n'ont rien fait parce qu'il y avait Covid. Et eux, en fait, c'était uniquement quelque chose qui se passe en mode physique. Il faut aller en Chine, il faut aller sur place là-bas et il fallait faire voilà ce déplacement-là et c'était un peu complexe, c'était limitant en fait. Depuis Covid, depuis justement depuis cette époque-là, nous avons aussi eu l'idée de créer en fait une plateforme de championnat qui est en ligne et qui permet de participer à des gens du monde entier. Via l'internet, en lisant justement sur l'écran de l'ordinateur. Donc, ok, c'est une contrainte, c'est pas comme un livre papier, mais c'est faisable parce que de toute manière, on a aujourd'hui des liseuses, on a des tablettes, on est habitué à lire sur l'écran de plus en plus, et surtout en mode lecture rapide, on passe pas non plus des heures à lire, hein, ça va assez vite. En 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait. Maximum 2 heures en fait. C'est quoi le championnat déjà? Le championnat, c'est une épreuve qui va durer maximum 2 heures. Tu as un livre qui a environ 50 000 mots, donc environ 200 pages. Et c'est un livre qui n'est pas encore sorti dans le commerce. C'est un livre qui n'est pas encore édité. Et nous travaillons avec les auteurs. Et en plus, on a traduit, en fait, on traduit le livre en plusieurs langues parce que rien que l'année dernière, nous avons eu 22 nationalités qui ont participé à ces championnats. Donc, les Polonais, ils pouvaient lire le livre en polonais, les francophones en français, les anglophones en anglais. Et c'était le même livre. Espagnol, Portugal, et bien d'autres pays. Et donc, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de challenge pour toi. Tu viens, tu te lances un défi. Voilà, je vais lire le livre au plus vite. Ensuite, je vais répondre à une vingtaine de questions ouvertes. Je réponds aux questions. Et donc, ensuite, on va calculer le taux de bonne réponse avec la vitesse de lecture. Il y a un score qui ressort. Et celui qui a le score le plus élevé, c'est celui qui gagne, en fait. Donc, ce n'est pas un QCM derrière. C'est vraiment. Il y a un travail d'arbitrage derrière. Donc, nous avons toute une équipe d'arbitres. D'abord, nous avons une équipe de traducteurs. Ensuite, nous avons une équipe d'arbitres qui sont capables justement de donner des notes. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et tout ça sur une plateforme en ligne, comme ça tout le monde peut faire ça de chez soi. Et bien sûr, bien évidemment, énormément de personnes ne veulent plus participer en ligne de chez soi. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans des salles physiquement avec leur ordinateur. Et il y a quand même cette convivialité d'échanges, de partage, de discussions qui suit en fait le championnat parce que initialement voilà c'est un lieu, c'est un lieu de rencontre, c'est une occasion de se retrouver et c'est une occasion unique voilà de s'inspirer les uns les autres et de passer un super bon moment en fait.
C'est ça, en fait. C'est à la fois me donner le défi, mais d'autre part, rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que moi et je peux voilà, connecter avec des autres humains. C'est ça qui est génial, en fait. Et du coup, donc, vous avez aussi une épreuve de map mapping, hein, si mes souvenirs sont bons, si par rapport à Même la trois présentation. épreuves. Trois épreuves. Il y en a même trois. Ok, alors ce qui me permet du coup de, un, vous mettre un challenge, parce que j'adore mettre des challenges à mes invités, et puis là, c'est la bonne occasion, mais je la donne aussi à nos auditeurs, hein, ceux qui aussi nous regarderont en replay. Je vous propose de le mettre après, de le mettre sous la vidéo quand il sera fait, hein, de mettre votre présentation à chacun. Promis, je le ferai, je le fais aussi. Je me mets aussi le challenge de faire votre présentation en mind mapping. Notre présentation à nous? Ah oui, votre présentation à vous. D'accord, Votre et tu nous donnes présentation. combien de temps là? C'est maintenant, les gens nous regardent pendant qu'on dessine? Non, 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 non. L'idée, c'est de pouvoir le mettre sous la vidéo et je vous Ah, dis, ok. je lance le défi aussi à nos auditeurs de pouvoir effectivement se présenter sous format map mapping. Et je mettrai le mien aussi. Voilà. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Allez, Tu chacun veux son qu'on le défi. fasse dans les règles strictes du championnat, c'est ça? Qu'est-ce que tu appelles dans les règles strictes? Qu'est-ce qui. Voilà, dis-moi, dis-nous, explique-nous. Oh, il y en a une Ok. trentaine, hein. Ouais, Il y en a c'est une beaucoup, mais je trentaine. veux juste savoir si tu veux qu'on te fasse une mind map. Non, dans la Oui, simplicité. une mind map dans l'art. Non. Ouais, là, je nous mets un double défi, Nicolas. Ouais. Bon, on te fera une mind Ah map. bah alors là, vous vous débrouillez tous les deux, il n'y a aucun souci, j'ai aucun problème avec ça. Là, c'est pas moi. Moi, je lance juste mon défi en vous disant, voilà, votre présentation en map mapping et vous le mettez sous la vidéo sur ma chaîne sur ma chaîne et sur Facebook. Je pense que ça pourrait être sympa et puis ça permettra aussi à nos auditeurs d'en faire autant et de bah voilà de pouvoir voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Et puis pour ceux qui ne savent pas, et ben je vous invite à aller voir sur internet qu'est-ce qu'une map mapping. Je pense que Nicolas, tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots ce que c'est qu'une map mapping. Qu'est-ce que Alors c'est? Ça, c'est c'est. une ou c'est un, par contre, que je me trompe pas, c'est un ou c'est une Une mind map map. mapping. Le dessin, c'est le mind map. Ah, donc c'est un. En fait, mais il y a une mind map. Excuse-nous. Le débat à ce sujet, il est toujours vivant. Ouais. Une carte mentale, carte heuristique, un schéma de pensée. Le cerveau, il adore ça, en fait. Même si tu regardes une télé, elle est plutôt en mode horizontal. En fait, c'est adapté à nos yeux. Et une feuille, déjà, tu commences par une feuille qui est en mode horizontal et pas vertical. C'est déjà, en fait, la base. Et tu commences à prendre des notes à partir d'un sujet clair au milieu. Et tu vas utiliser les couleurs. Le cerveau, il adore les couleurs. Et tu vas utiliser les mots-clés. Le cerveau pense mieux et réfléchit mieux avec les mots-clés et il n'a pas besoin d'avoir des phrases entières. Les mots-clés, ça suit complètement. Et c'est tout un art d'utiliser son cerveau pour réfléchir. Et j'adore les mind maps parce que ça aide, c'est un outil d'aide à la réflexion. C'est un outil qui, déjà, on part d'une idée clé et on va voir des branches, d'abord jusqu'à 7 branches principales. Des idées en fait qui partent de cette idée clé. Et ensuite, on va affiner comme un arbre. D'abord, il y a des branches très très épaisses et ensuite, plus on s'éloigne, plus les branches sont fines. Et si on regarde en fait les synapses dans le cerveau, si on regarde les connexions au niveau neuronal, tu vas voir que tout est connecté de bout en bout. Tout est connecté dans le cerveau. Pour ça, on appelle ça les connexions neuronales. Et les mind maps, c'est les idées qui sont connectées. Et tu vas utiliser un mot. Et là, c'est comme Tony,
Tony l'expliquait, c'était justement ça en fait. Dans le cerveau, tout est connecté. Dans la nature, tout est connecté. Et tu crées en fait un chemin de pensée. Tu peux prendre des notes pour, je sais pas, un cours, un livre, un magazine. Tu peux écouter une conversation, tu peux écouter une conférence, un cours magistral, et tu peux tout simplement prendre des notes. Mais ça te demande de réfléchir et pas noter bêtement tout ce qu'il faut. Moi, je me rappelle que quand moi j'étais aux études, on avait tendance à noter tout, hein. Et je revenais rarement dans mes notes, hein. C'était complètement inutile. Mais à l'époque, je ne savais pas faire autrement. Il n'y avait personne, tout le monde faisait comme ça. Et en fait, si, imagine que toi, tu es prof, et toi, tu déjà, en fait, tu dis à tes élèves, écoutez, on va apprendre à réfléchir avec les mind maps. On va tester d'abord pour tester l'histoire de s'amuser. Je vous interdis de tout noter. L'objectif, c'est de faire déjà des mind maps à partir de ce que je suis en train de raconter. Et ensuite, restituer ça avec les autres. Ça change complètement la manière déjà de faire l'écoute active ou la lecture active. Tout de suite, faire le choix des mots-clés. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est un apprentissage. Mais ensuite, si tu veux remémorer en fait toutes les informations, tu peux revenir d'abord dans ta pensée. C'était quoi en fait? C'était quoi les trucs dans la mind map? Donc ça demande en fait de comprendre. Pour apprendre, c'est mieux de comprendre et pas juste apprendre par cœur. Donc c'est un vrai outil d'apprentissage à partir du moment où tu le fais tel qu'il a été conçu en fait pour cette idée en fait. Voilà. Moi, ce que je Merci rajoute... beaucoup, Nicolas, pour cette explication. Moi, ce que je rajoute avec mes élèves, je leur dis ensuite de prendre la mind map et d'aller expliquer à leurs parents ce qu'ils ont voulu faire. Parce que, en fait, tu fais le chemin inverse. Et on sait que, comme l'a dit Nicolas, le fait de réfléchir, de comprendre et de mettre sur papier, déjà, tu as appris. Mais si en plus, tu l'expliques, là, c'est gagné. Ils n'ont plus besoin de revenir dessus. Après, quand ils ont une interrogation le lendemain sur ce sujet, ils ont juste à regarder leur mind map. C'est bon, les connexions, elles sont faites. Tu vois? Ok, mais c'est chouette. Non, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, pour moi, je relève le défi. J'espère que vous allez le relever aussi. On va te faire ça, on va te faire ça. Faites-moi ce cadeau. Bon, c'est super. En tout cas, je suis vraiment ravie de ce partage sur la lecture rapide et sur le mind mapping. Du coup, je vais vous poser tous les deux une question. À l'heure d'aujourd'hui, quelle est votre actualité chacun? Nicolas, est-ce que tu peux nous dire actuellement ton actualité du moment? L'actualité du moment par rapport à tous mes projets. Oui, bien sûr. Il te reste combien de temps en fait? Parce que là, tu as deux personnes qui sont qui bouillonnent, tu vois, au niveau du cerveau. On va y arriver. Oui, écoute, je pense que quelque chose qui se passe en fait depuis qui n'était pas prévu, hein, enfin, qui n'était pas prévu, mais on savait que ça allait venir, en tout cas en Pologne. Depuis le 24 février, la guerre en Ukraine, on a hyper impacté en Pologne. Et je peux dire que ça m'a énormément aussi impacté, touché. Et puis, et en fait, j'ai envie de dire, la mobilisation qui est en Pologne par rapport en fait à l'aide humanitaire, j'ai pas de mots en fait à dire. C'est un truc de fou. C'est d'autre part tellement normal. C'est tellement normal, mais en même temps, si tu vois d'autres pays, c'est pas si normal que ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a déclenché en fait un tsunami d'aide. Un tsunami d'aide. Moi personnellement, j'ai été beaucoup impacté par là parce que même si j'habite en Pologne, très loin de l'Ukraine, parce que j'habite à la frontière avec l'Allemagne, dans notre ville, en fait, voilà,
c'est overbooké en fait. Il y a tellement de familles ukrainiennes, et surtout les femmes avec les enfants. Et j'étais aussi embarqué là-dedans. Donc, j'ai été contacté par Michael Lamour, un coach business avec qui j'ai pu travailler il y a plus de 2 ans, qui lui, il voulait aussi voilà, aider une famille ou deux. Peut-être qu'il y avait des familles qui voulaient justement venir en France. Et en effet, on a pu faire venir. Donc, on a conduit 2 familles de Pologne en France jusqu'à Nice, parce qu'ils avaient un point de chute là-bas. C'était une expérience extrêmement émouvante, parce que la gratitude qu'on a reçue derrière, j'ai pas de mots en fait. C'est un message comme ça que, par exemple, on a reçu par Natalia, une Ukrainienne qui a vécu 7 jours dans le métro de Kiev. Elle a 2 enfants, il y en a un qui a commencé à être malade, saigner du nez. Il y a une fille qui commence à avoir des tics, et elle a dû tout quitter en fait, comme ça, quasiment du jour au lendemain, partir en Pologne pour la première fois de sa vie. Et en fait, elle a été quasiment ramassée comme ça devant une gare par une femme de Zielona Góra, de ma ville en Pologne, qui l'a hébergée. Et entre-temps, voilà, sur un groupe Facebook, ma femme, elle a trouvé qu'il voulait aller en France. On a organisé le truc, on a créé une cagnotte. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose, c'est l'actualité, en fait, qui est toujours là, parce que la question, on se pose, c'est combien de temps ça va durer? Et le plus vite, en fait, on est toujours là. Et entre-temps, il y a d'autres familles qu'on a pu aider. On héberge une famille dans un de nos appartements. À Zielona Góra, aussi une famille venue de Kiev avec 2 petits-enfants, plus un autre enfant qui a 9 ans. C'est des drames humains en fait, et nous, à notre une petite échelle, on peut les aider en leur donnant du toit, en leur donnant, aidant en fait à faire des papiers, à trouver du travail et trouver un logement, etc. Et ça s'organise en fait. Et c'est une grosse actualité du moment. C'est, si tu veux, en fait, par rapport à tous les projets qui sont en cours, comme les championnats, comme on est en train de créer une application, on est en train de faire voilà, des cours. Enfin, là, je suis en France, je vais donner un séminaire intelligence multiple à Lyon dans 2 jours. Mais ça me préoccupe énormément en fait. Si tu veux, on ne peut pas passer à côté, c'est impossible vivant en Pologne. Et c'est voilà, c'est une grosse, 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 grosse actualité qui m'impacte et impacte plein de Polonais. Et je trouve ça extrêmement positif. En fait, je vais un peu dans l'analyse hein, des énergies et des choses comme ça. C'est qu'il y a énormément de haine contre et la guerre en fait en elle-même, et en plus on découvre les massacres, etc. Il y a énormément de haine et de mauvaise énergie, cette basse énergie, la peur, la haine, les frustrations et toutes ces choses-là. Mais d'autre part, il y a une autre énergie qui neutralise cette autre, c'est l'amour et la gratitude qui est envers les familles polonaises. Parce que ce qui s'est passé et ce qui se passe là aujourd'hui en Pologne, c'est vraiment c'est du jamais vu en fait. Les Ukrainiens, si tu regardes en fait les réseaux sociaux en polonais, les Ukrainiens, les messages qu'ils mettent par exemple sur TikTok ou sur d'autres réseaux comme Instagram, de gratitude pour les Polonais, c'est de la folie. T'as envie de pleurer en fait quand tu vois ça. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que en même temps, je fais rien d'extraordinaire en fait, si tu veux. Je me sens pas. Je fais juste mon job, quoi. Je fais juste mon job. Alors, je ne sais pas si pour toi c'est. Ben, non, moi je trouve que c'est chouette ce que tu fais et bravo et merci de nous partager ça.
Je t'avoue que voilà, ça me touche beaucoup parce que effectivement, ça l'impact que tu dois avoir toi étant en Pologne par rapport à moi par exemple qui est en France où effectivement l'aide est différente. On est dans voilà, on fait effectivement partir pas mal de camions pour du matériel médical, pour de l'aide vestimentaire, pour de l'aide alimentaire, pour effectivement permettre à tous ces gens de, bah, de retrouver en tout cas d'être un peu plus serein et de trouver une accalmie entre guillemets dans ce tsunami de ce drame. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. C'est voilà. Oui, ben, tu sais, en fait, quand c'est plus proche de toi, normalement, tu es plus impacté. C'est ça, les liens entre la Pologne et l'Ukraine, depuis quelques années, sont assez forts parce qu'il y avait déjà 2 millions d'Ukrainiens qui vivaient en Pologne. Et c'était une immigration économique. Ils vivaient parce qu'en Pologne, ils pouvaient, en 3 mois, ils pouvaient gagner une année de salaire chez eux. Et moi, je connaissais déjà beaucoup d'Ukrainiens avec qui je coopérais, qui me faisaient peut-être des travaux ou tout simplement on avait des connaissances comme ça. Et donc, plus tu connais, en fait, plus t'es impacté parce que c'est tout à fait normal. Et après, moins tu connais, plus c'est éloigné. Et tu sais, il y a quand même environ 25 conflits militaires en ce moment sur Terre. Et en fait, on en parle beaucoup moins parce que c'est moins médiatisé, parce que ci, parce que ça. Et c'est comme ça. Mais quand ça t'arrive à côté de toi, et il y a cette marée humaine qui arrive, ben, c'est comme ça, c'est impactant et tu peux pas, en fait, ne rien faire, en fait. Oui, non, mais c'est certain. Tu parlais tout à l'heure d'une cagnotte. Question pour moi en tout cas, et je pense pour nous tous, semble important. Est-ce qu'elle est encore d'actualité, cette cagnotte? Est-ce que tu peux Écoute, éventuellement, si c'est le non, cas? enfin, je veux Non. dire, la cagnotte, elle existe encore, mais nous, on a déjà fait le voyage, on a reçu justement autant d'argent qu'il fallait, on a même pu verser en plus pour ce qu'on restait en plus. Donc là, j'ai envie de dire, ça a été fait, et là, la cagnotte, elle a fait son job. Et d'ailleurs, merci parce que on a reçu, voilà, on a reçu vraiment. L'argent d'un peu partout, des amis des États-Unis qui ont lancé, et aussi, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont participé à la cagnotte. Et je suis vraiment aussi en gratitude par rapport à ça parce que ça a permis d'aider en fait ces deux familles, dont un enfant était autiste aussi. Et voilà. C'est chouette. Eh bien, je te remercie beaucoup de nous partager ça, Nicolas. Je pense que voilà, c'est dans des moments comme ça où c'est important de rappeler que ben, voilà, il n'y a pas que notre petit nombril et qu'il faut regarder plus loin. C'est clair, mais tu sais, de toute manière, si on regarde le côté géopolitique qui m'intéresse aussi énormément, bah, le monde d'avant, il est fini là. Là, c'est fini. Il y a en plus le monde de finance avec l'inflation, avec il y aura pas mal de zones de turbulence qui arrivent parce que c'est vraiment le début de quelque chose. Là, on n'est pas prêt de s'arrêter en fait. À l'Ukraine. Et en fait, il y a une chose, c'est aussi, on a tous l'intérêt pour l'Europe à ce que l'Ukraine, en fait, ne se laisse pas faire. Parce que si en fait, Poutine, il arrive, en fait, à avoir Donbass, etc., il va pas s'arrêter là, en fait. Et peut-être il n'y a pas cette conscience en Europe, pas en Pologne. On a trop d'histoire avec ces pays-là. On connaît trop le modèle et on apprend trop de trucs à ce sujet. Mais c'est comme ça en fait. Moi pour l'instant, enfin pour ça, je ne peux rien faire. Moi, je me concentre sur l'aide
humanitaire. J'ai conscience des risques, mais je n'ai pas d'influence sur ça. Donc, je ne peux pas me préoccuper de ça. Par contre, les familles qui sont chez toi, où je peux aider à trouver du travail, trouver un logement, etc. Tu vois, là où j'ai une zone d'influence, je peux me concentrer là-dedans. Je peux imaginer quel livre je vais lire et quelle langue je vais apprendre et qu'est-ce que je vais faire dans mes actions. Et c'est ça qui me préoccupe énormément. Après, géopolitique, ok, je comprends, je vois ce qui se passe, mais je ne peux pas vraiment influencer les choses. Après, Bien je peux sûr. peut-être anticiper, s'il va falloir bouger, on va bouger à l'avance. Voilà. En tout cas, je souhaite quand même qu'il y ait quand même une accalmie et que voilà, que les choses reviennent en tout cas à quelque chose de plus paisible. Espérons-le. L'avenir nous le dira, c'est certain. En tout cas, je te remercie de nous avoir partagé ceci, Nicolas. Karine, du coup, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux, du coup, nous partager ton actualité et puis ainsi nous parler quand même de cette chaîne que tu mets en place, enfin, que tu as mis en place, hein, c'est autour de la table. J'aimerais vraiment que tu puisses nous en parler parce que pour y avoir assisté, et Nicolas aussi, je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. Ah, on t'entend plus, Karine. C'est vrai qu'avec le micro, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Ça peut être une aide. Ça peut aider. Je te disais que... N'importe quoi. Effectivement, là, c'est devenu une chaîne. Alors qu'au départ, c'était trois rendez-vous entre potes. On devait juste faire... un échange en vidéo et parler de trois sujets qui nous intéressaient. Et puis, finalement, en lançant un petit peu autour de moi pour dire, bah, tiens, qui est intéressé? Là, j'ai eu une déferlante de propositions, tant en sujet qu'en personne. Et en fait, les trois premiers rendez-vous qu'on devait faire sur octobre, novembre, décembre, se sont faits entre la mi-octobre et début novembre. À partir de là, donc, j'ai décidé de mettre un rendez-vous tous les 15 jours et on a des rendez-vous jusque fin décembre, en fait, de cette année. Donc voilà, tous les 15 jours, une émission dédiée à la famille sur des sujets qui intéressent tout le monde et qui peuvent impacter tout le monde. Et voilà, on a une émission tous les 15 jours et effectivement, c'est quelque chose de pas mal. J'aime beaucoup ces rencontres comme on est en train de faire avec toi. Ça ressemble un peu à ça et il y a toujours plusieurs personnes autour de la table. La dernière a été celle où j'avais le plus de monde puisqu'on y était 10 autour de la table. Alors avec des gens qui se déconnectaient parce que c'est toujours avec le monde entier, donc voilà. Et toujours des personnes très intéressantes et qui sont d'autorité dans leur sujet. Voilà. C'est chouette. Est-ce que tu peux du coup nous partager les prochains thèmes? Ah oui, attends, je vais te dire ça tout de suite. Attends, attends. Laisse-moi juste trouver, parce qu'il y en a beaucoup en fait, tu vois. Laisse-moi juste une petite seconde et je te dis ça tout de suite. Attends, on va le faire différemment parce que là, ça va être trop long. Hop, on va passer par là. Tac, tac, tac. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas, vous pouvez venir. Il y a toujours de la place autour de la table. Alors, hop, les prochains sujets. Alors, le tout prochain qui sera ce samedi est sur l'école à la maison. Ensuite, on aura travaillé avec les plus grands,
les réseaux sociaux et leurs addictions, l'affirmation de soi, accueillir l'abondance, la gastronomie, l'intelligence collective, tatou thérapie, le sport de haut niveau, l'amour, la musique, la santé mentale, les personnes âgées, la maternité, la tradition des oracles, la communication et les traditions. Voilà. Voilà tous les sujets jusqu'au 17 décembre. Magnifique programme! Magnifique programme, non, c'est chouette. Et pour y avoir participé, je pense que Nicolas peut aussi en témoigner. Ce sont de magnifiques moments de partage, d'échange et de relations avec d'autres personnes qui ont voilà qui veulent aussi partager leurs idées donc c'est vraiment chouette. Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé puisque du coup tu fais partie de ceux qui ont été justement invités? Écoute, c'est un moment à la fois pédagogique, à la fois d'échange, à la fois d'ouverture en fait d'esprit. Donc autour de la table, voilà, c'est un super rendez-vous et on peut le retrouver les replays, on peut les retrouver sur ta chaîne, Karine, n'est-ce pas? Oui, on retrouve les replays sur ma chaîne ou sur mon site. Et les prochaines émissions en direct seront aussi sur la chaîne finalement. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre des personnes qui arrivent d'univers complètement différents sur un même sujet. Je ne leur dis pas ce que les autres vont pouvoir partager. Et je leur demande leur axe pour que justement on puisse traiter le sujet sous tous les angles et avoir une vision, on va pas dire totale parce que c'est jamais total, mais une vision assez complète tout en restant simple, compréhensible de tous. Et si ça peut aider quelques-uns à pas se sentir seul, ben voilà, c'est le but en fait. C'est le but de l'émission. Super, merci beaucoup Karine. Nous Merci à toi. arrivons à la fin de cette magnifique interview et j'aimerais vraiment vous remercier tous les deux d'avoir accepté voilà, mon invitation. Voilà, c'était important pour moi de pouvoir vous avoir dans mon émission et qu'on ait voilà cet échange sur la lecture rapide, le mind mapping et puis sur vos actualités à tous les deux. Vraiment, merci à tous les deux. Merci Merci à toi. infiniment. Merci à toi aussi. Merci pour l'invitation. Merci Donc, beaucoup. c'était un plaisir. je vais vous demander à chacun, donc on va commencer par Karine, hein, encore une fois, voilà, c'est les femmes en avant, de pouvoir nous dire le mot de la fin à tous nos auditeurs et puis on fera de même pour toi, Nicolas, bien entendu. Écoute, moi je voudrais dire à tout le monde que si on part sur le sujet et qu'on conclut sur le sujet de la lecture rapide, de pas se sentir, de pas se dire moi je ne vais pas pouvoir, moi je n'y arriverai pas, d'essayer, de prendre les petites astuces qu'on a données avec Nicolas et déjà de voir la progression et de se lancer. C'est quelque chose qui est utile dans la vie de tous les jours, comme je le disais tout à l'heure. C'est un outil qui est très utile. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà. Et puis, je voulais te remercier de nous avoir invités sur cette émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour moi, c'est un vrai plaisir parce que voilà, c'est des sujets qu'on ne parle pas forcément et qui pourtant existent. Donc voilà, c'était une belle occasion de pouvoir vous avoir tous les deux et de pouvoir parler de ce sujet. Ça existe depuis les années 30, même peut-être avant, mais personne n'en parle. C'est un secret d'État. Voilà, c'est ça, mais c'est dommage parce que du coup. Ça pourrait aider tellement de monde, j'en suis Ben, c'est ce convaincue. qu'on essaye de faire. Nicolas, tu ne me contraries pas, je pense, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'il faut le mettre dans les écoles. Ça devrait être déjà dans les écoles. On essaye de l'intégrer et de le. C'est le futur, quoi. Donc, voilà.
On va parler dans les histoires des complots, mais est-ce que dans l'intérêt global, un État, il a l'intérêt à ce que toute la population soit super éduquée, ouverte d'esprit, qui sache apprendre très rapidement et qui se rend compte peut-être que finalement, on n'a pas trop besoin d'État. Mais je veux pas aller dans ce débat, dans cette discussion. À chacun faire son opinion. Mais la question, je veux dire, moi j'ai un mantra que je répète toujours: pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Le cerveau, commencez à se préoccuper de votre cerveau, de votre éducation, votre santé mentale. Et justement, grâce au cerveau efficace, mind mapping qui va avec, vous avez en fait capacité à apprendre, peu importe les circonstances, et trouver toujours des solutions en fait, parce que c'est ça l'idée, c'est trouver des solutions. Et moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui énormément, c'est justement comment on peut aider les plus jeunes à avoir ces techniques et ces compétences au plus vite. Parce que ce sont des leaders de demain, c'est eux qui vont gérer le monde de demain et les problèmes qu'ils vont affronter. Je pense que les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'il y aura dans les temps à venir. Donc, c'est des risques en tout cas. Hein. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Il me reste du coup à vous souhaiter à tous les deux une magnifique journée pour l'une, une magnifique soirée pour toi Nicolas, et à vous dire vraiment merci de nous avoir partagé votre expérience sur la lecture rapide et le math mapping, et puis n'oubliez pas votre défi. Et vous n'oubliez pas votre défi et vous n'oubliez pas le guide visuel. Ni toi, ni les pensez auditeurs. Pensez au guide visuel, pensez à votre défi. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci. À très toi. Bientôt. Je vous retrouve, moi, la semaine prochaine, du coup, pour de nouvelles interviews. Et là, effectivement, on va beaucoup parler cerveau. Deux interviews exceptionnelles, puisque j'aurai la chance de recevoir... Michel Poulart mardi et Henri Barbieux jeudi. Voilà, et nous parlerons cerveau, optimiste. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis. Tu passeras un grand bonjour à Michel de ma part. Ce sera fait, promis. Un bisou à Henri qui est né le même jour que moi. Belle soirée à tous et à très vite. Bye bye. Merci, à bientôt.